Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, une exposition sur Martin Bucer à la médiathèque protestante, suivie de notre agenda interreligieux. Il est sans doute beaucoup moins connu que deux autres grandes figures de la Réforme, Martin Luther ou Jean Calvin. Pourtant, Martin Bucer est un personnage central pour la Réforme à Strasbourg. C'est en effet lui qui, à partir de 1523, va prêcher cette réforme. 1523, 2023, 500 ans plus tard, la médiathèque protestante lui consacre une exposition. Nous sommes allés la voir pour vous. On regarde. Mathieu Arnold, merci de nous conduire dans cette exposition sur Martin Bucer. Pourquoi une exposition sur Martin Bucer en cette année 2023 ? Il se trouve qu'il y a 500 ans, Martin Bucer est arrivé à Strasbourg, où il est resté jusqu'en 1549, et donc à la fois l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg souhaitaient commémorer ce 500e anniversaire. Donc cette exposition fait partie d'une... C'est une manifestation parmi un certain nombre d'autres tout au long de l'année. D'accord. Alors, dans cette exposition, il y a des panneaux au mur et il y a aussi des documents précieux. Ici, cette première vitrine avec des documents intéressants. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ces documents et nous en dire leur origine, puisqu'il y a plusieurs institutions qui ont participé à cette exposition? Alors, cette vitrine de 5 documents présente 3 imprimés qui sont tous issus de la médiathèque protestante du Stift, ce qui est intéressant parce que la plupart des documents imprimés sont issus de la médiathèque, et 2 documents manuscrits qui sont issus des archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Les 2 documents manuscrits se rapportent à Bucer en tant que pasteur. Le premier constitue son élection en 1524 comme pasteur de Sainte-Aurélie. Le second document, il s'agit d'une lettre de ses collègues qui, en 1529, demande à ce que Bucer puisse être nommé à Saint-Thomas, qui était plus au centre de la ville et qui lui permettait de se déplacer plus facilement là où il donnait ses cours. En quelques mots, la vie de Martin Bucer. Où ça commence? En quelle année? Par où est-ce qu'il passe? Et où est-ce qu'il va mourir? Alors, Martin Bucer est né en 1491 dans une famille très modeste de tonneliers à Célestat. Donc c'est un Alsacien? C'est un Alsacien, tout à fait. Il serait sans doute décédé en Alsace s'il n'avait pas dû quitter la ville à cause d'un changement religieux. Il entre au couvent des Dominicains de Célestat en 1506. En 1517, il est à Heidelberg. C'est très important puisqu'en 1518, il y rencontre Martin Luther. À partir de ce moment-là, il sera non plus seulement un disciple d'Erasme, mais de Martin Luther en personne. Il va donc assez rapidement être gagné à la Réforme. Il est curé notamment à Wissembourg en 1522 et puis il se réfugie à Strasbourg en 1523. Il y reste jusqu'en 1549. Il est obligé de quitter la ville parce qu'il s'oppose à la réintroduction du culte catholique. Et à ce moment-là, il passe près de 2 années en Angleterre où il décède dans la nuit du 28 février au 1er mars 1551. D'accord. Alors, nous allons continuer l'exposition. Alors, deuxième panneau de cette exposition, Bucer, l'éducateur. Ça peut surprendre qu'on soit déjà sur une thématique comme ça assez rapidement, mais c'est aussi en lien, je dirais, avec l'actualité aujourd'hui à Strasbourg. Il y a un héritage, Martin Bucer, de ce côté-là. En 1537, Martin Bucer fait venir Jean Sturm à Strasbourg, qui fondera l'année suivante le gymnase. Or, le gymnase est à l'origine de l'établissement scolaire primaire et secondaire que nous connaissons encore aujourd'hui, mais aussi de l'université de Strasbourg. Donc Martin Bucer est un humaniste, je l'ai dit, il est très préoccupé de l'éducation des jeunes gens, à la fois par des écrits savants en latin, mais aussi par des catéchismes en allemand pour ce qui est de l'éducation religieuse. D'accord. Et donc ici, sur ce panneau, on voit, alors c'est un document du XVIIe siècle qui montre le gymnase tel qu'il devait être au moment où Bucer l'a créé. En tout cas, c'était le cloître, n'est-ce pas, l'ancien cloître des Dominicains, puisque la plupart de ces établissements conventuels dans les territoires gagnés à la Réforme étaient transformés en lieux d'éducation. D'accord. Ok. Alors, on continue. «
Un autre panneau ici sur Bucer, précurseur de l'œcuménisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était l'œcuménisme, justement, au début de la Réforme, entre les diverses communautés protestantes ? Il se trouve que très rapidement, au milieu des années 1520, les protestants se sont divisés au sujet de la compréhension de la scène. Est-ce qu'il y a la présence réelle du Christ avec le pain et avec le vin, comme le pensait Martin Luther, ou est-ce qu'il faut simplement défendre une conception symbolique de la présence du Christ? On se souvient, surtout, c'est un repas qui commémore quelqu'un qui n'est plus là. Ça, c'était la conception de Zwingli, le réformateur de Zurich, alors que Martin Luther défendait la conception traditionnelle que le Christ est réellement présent dans le pain et le vin. Et c'est une question qui a divisé les protestants jusqu'à la Concorde de Leuenberg en 1973. Et alors du coup, Bucer s'en est sorti comment de cette difficulté théologique par rapport aux diverses communautés protestantes ? Alors Bucer a essayé de comprendre l'argumentation de l'un et de l'autre. Il a essayé de faire comprendre à Zwingli que Luther ne défendait pas une conception grossièrement matérielle de la présence du Christ. Il a essayé de faire comprendre à Luther que Zwingli ne disait pas qu'il n'y avait absolument rien dans la scène. Et Bucer, en fidèle disciple d'Erasme, essayait de faire dialoguer les gens, de comprendre leur argumentation. Et il a fait des milliers de kilomètres en Suisse et en Allemagne pour essayer de réconcilier les deux grands réformateurs. Alors justement, milliers de kilomètres, ça nous amène à la dernière étape de cette exposition, Bucer l'Européen. Sur cette carte ici, il y a à la fois tous les voyages qu'a pu faire Bucer dans sa vie, mais aussi les correspondants qu'il pouvait avoir dans plusieurs pays. C'est assez phénoménal, en fait, les kilomètres qu'il a pu faire et les correspondants qu'il a eus dans de nombreux pays européens, sauf en France, on pourrait dire. On se rend compte, en effet, que la correspondance de Bucer à ses voyages ne se réduisent pas à la Suisse et à l'Allemagne, même si on voit qu'il a largement voyagé dans l'Empire, mais qu'il a des correspondants en Italie. Il y avait de nombreux réfugiés italiens qui venaient à Strasbourg. Il a passé la fin de sa vie en Angleterre. Il n'est pas étonnant que vous trouviez les villes de Cambridge, où il a été professeur, et de Londres. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de correspondance avec la France, alors qu'il a correspondu largement avec Calvin, mais Calvin se trouvait à ce moment-là à Genève. Alors quel est aujourd'hui l'héritage de Bucer ? Alors Bucer, à la différence de Calvin ou de Luther, n'a pas fondé d'église, il n'y a pas de bucériens, alors qu'il y a des calviniens ou des luthériens, mais ses écrits continuent d'être largement étudiés, alors par des spécialistes, bien sûr, qui les éditent en allemand ou en latin, leurs langues originales. Bucer intéresse aussi l'Église, comme on le voit avec la présente célébration, parce que Bucer n'était pas un réformateur dogmatique, c'était vraiment un disciple d'Erasme qui a rédigé des écrits dialogiques, qui a fait preuve d'une tolérance plus importante que la plupart de ses contemporains. Ce n'était peut-être pas des valeurs prisées à son époque, mais aujourd'hui ça nous intéresse tout particulièrement. Mathieu Arnold, merci de nous avoir conduits dans cette exposition à la découverte de Martin Bucer. Merci beaucoup de votre intérêt. Si vous voulez voir cette exposition, sachez qu'elle est ouverte jusqu'au 23 juin prochain. Tout de suite, notre agenda interreligieux. Les communautés catholiques et protestantes célèbrent la fête de l'Ascension le jeudi 18 mai. Selon les évangiles, 40 jours après Pâques, Jésus quitte ses disciples et est enlevé au ciel pour entrer dans la gloire de son Père. Les communautés orthodoxes célébreront cette fête le jeudi 25 mai. Dans le cadre de l'année Bucer 2023, une conférence à deux voix sera animée par Mathieu Arnold, commissaire de l'exposition et éditeur de la correspondance de Bucer, et Marc Liénard pour la parution du livre de ce dernier, intitulé « Martin Bucer, hier et aujourd'hui ». Ils retraceront le parcours du réformateur de Strasbourg et évoqueront notamment l'originalité de ses positions théologiques ainsi que son rôle dans les dialogues entre les différents courants de la Réforme. Une conférence qui aura lieu à la médiathèque protestante le 25 mai à 18h. Les communautés catholiques et protestantes célèbrent la fête de la Pentecôte le dimanche 28 mai. Selon les évangiles, 10 jours après la Pentecôte et 50 jours après Pâques, l'Esprit Saint est répandu sur la première communauté chrétienne à Jérusalem.
Ainsi se termine notre émission. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour un nouveau numéro de Parabole.